Mais, mais il faut reconnaître, et ça moi je le vis chaque jour, c'est très pénible, c'est triste, c'est vraiment dramatique de vivre loin de son pays. Je voudrais en de revenir au début de votre carrière, où vous travaillé pour le journal Hebdo. Comment était-ce à l'époque avec la liberté de la presse au Maroc? Au début, c'était les dernières années du de roi Hassan II. Donc je crois, je crois que Hassan II, à la fin de sa vie, il a dit qu'il faut lâcher un peu, il faut, il faut que les gens puissent un peu respirer, qu'ils puissent faire un autre journalisme que celui qui, qui existait déjà au Maroc. Donc, quand l'hebdomadaire, le journal, à l'époque, il s'appelait le journal. C'est après qu'il est devenu le journal hebdomadaire. À l'époque, quand je suis arrivé et qu'on m'a dit voilà, vous allez vous occuper de la section politique. Donc, moi, j'ai dit ok, mais est-ce que vous allez me laisser euh, traiter certains sujets qui me paraissent nécessaires en cette fin du XXe siècle Est-ce que moi, je peux utiliser des, des, des préceptes universels en ce qui concerne le métier de journaliste chercher de l'information, la contraster, et puis la donner au lecteurs, ce qui n'existait pas au Maroc. Donc, est-ce que, moi je leur ai dit, est-ce que je peux parler du problème des droits de l'homme au Maroc Est-ce que je peux parler du conflit du Sahara occidental, qui est le grand conflit marocain Est-ce que je peux parler de la religion musulmane Alors on m'a dit, oh oui, ok. Alors on a commencé à travailler sur ces sujets. Et on est passé, en moins d'un an, on est passé de, de quand j'ai rejoint cette hebdomadaire, ils vendaient 1000 exemplaires, et quand je suis parti, en moins, moins d'un an, ils vendaient que 40 000, 45 000 exemplaires par semaine. Et cela prouve quoi Cela prouve que les Marocains, ils avaient besoin, ils, ils besoin d'avoir ce genre d'information, sans provocation, sans injure et sans fake news, de l'information vraie. Moi, je suis l'un des rares journalistes marocains qui n'a jamais perdu un procès pour injure ou pour fausse nouvelle. Comment a-t-il réagi ces critiques Premièrement, euh, parce qu'il y a une méthode marocaine. Premièrement, on va essayer de vous expliquer. Le Maroc est en train de se démocratiser, petit à petit. Ce discours-là, il peut fonctionner avec un étranger. Ce discours. Mais moi, je suis marocain. Alors, moi, moi, je leur dis mais écoutez, vous nous dites ça depuis 1956, date de l'indépendance du Maroc. Et donc, quand ça ne marche pas, ils vous menacent. Et, et si vous continuez dans votre, dans, dans votre lancée, si vous continuez à faire votre métier d'information, ils commencent premièrement à vous enlever de la publicité après, ils vous collent des procès. Ils vous, collent des procès. vous êtes condamné, mais vous n'allez pas en prison. Et après, ils vont faire un procès, ils vous envoient en prison. Et, et donc, moi, j'ai passé tout ce processus-là. Et il faut savoir que durant tout ce processus-là, j'ai été victime d'une campagne haineuse de la presse aux ordres. Et donc, quand je suis sorti de prison, j'ai dit, voilà, je vais refaire mon métier de journaliste. Je ne sais pas faire autre chose. Et donc, on m'interdit pendant dix ans de l'exercice de la profession de journaliste. De 2005 à 2015. Et quand la paix s'est terminée en 2015 ils ont décidé de ne pas renouveler mes papiers d'identité marocains. Et donc, sans papier d'identité, vous pouvez pas monter un journal. Et donc, à mon âge, j'ai dû aller faire une grève de la faim face à, au siège des Nations Unies à Genève, pour obtenir un droit élémentaire qui renouvelait mes papiers d'identité marocains. C'est oui, un Oui, oui, oui. Parce qu'ils disent que je suis un radical. Le fait d'exiger de, un droit fait de vous un radical. Vous faites une grève de la faim, vous mettez votre vie en danger. Mais pourquoi est-ce que vous mettez votre vie en danger Mais c'est pas possible. Mais oui, moi je veux mes papiers. Mais j'ai fait beaucoup de grèves de la faim. C'est parce que la grève de la faim si vous faites une grève de la faim de une journée, une semaine les autorités marocaines considèrent que ce n'est pas sérieux. Et, et, euh, à partir de la troisième semaine, ils disent... Et, et À partir du mois, ils disent... Ah, mais ça, c'est une vraie grève-là. Die tien jaar, wat heeft u in die ans jaar gedaan waarin u geen journalistiek mocht bedrijven? Non, parce que moi, comme je viens, comme beaucoup de gens d'ici, je viens du nord du Maroc, qui est une région hispanophone, et comme j'ai étudié euh, la littérature ibérique à, à la Sorbonne, à Paris... Donc, on m'a offert un travail de journaliste dans le deuxième plus grand journal espagnol qui s'appelle El Mundo. C'est vrai, il faut qu reconnaître que je gagnais beaucoup plus à El Mundo qu'au Maroc. Donc, si de temps à autre ils m'interdisent, moi, moi je pourrais retravailler pour un journal et, et, et gagner beaucoup d'argent. Sérieusement, <laughs> Sérieusement c'était une très bonne expérience. Et, et voilà, quand on est un. Quand on est un journaliste professionnel, moi je ne dis pas bon, mauvais, excellent, tout ça, mais, mais, mais il faut reconnaître, et ça moi je le vis chaque jour, c'est très pénible, c'est triste, c'est vraiment dramatique de vivre loin de son pays. Quand je parle avec des, des amis, des collègues et que je leur dis non, 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 moi je veux rentrer chez moi. Alors on me dit, mais pourquoi tu veux rentrer chez toi, chez toi si 90% des Marocains veulent quitter le pays pourquoi pourquoi moi, Je suis Marocain, même si j'ai une culture française parce que j'étais dans un lycée français au Maroc, j'ai une culture espagnole parce que j'habite à, à quelques kilomètres de l'Espagne, donc je connais ces soci sociétés, mais, mais moi je suis, je suis intrinsèquement un Marocain. Voilà.